Les amis, donc nous voilà à nouveau ensemble. Je vous rappelle que si vous voulez des titres, vous pouvez toujours me poser la question, hein, on verra, je le ferai ou je le ferai pas, ça dépendra évidemment des demandes. Mais c'est parti maintenant pour un nouveau tuto. Salut à tous, aujourd'hui un titre Misirlou de Digdal. Donc c'est un titre en principe qui est à la portée de tous. Attention cependant à la vitesse, car la vraie difficulté dans ce titre, ça va être la précision et la rapidité. Pas de difficulté majeure autrement, on va avoir bien sûr la tablature ainsi que les accords. Alors avant d'attaquer ce morceau, on va regarder les séquences d'accords. Vous allez avoir tous les accords qui s'afficheront après avec la tablature. Mais là, pour l'instant, je vais vous montrer parce que vous allez avoir en fait deux séquences d'accompagnement. Hein. Comment alors, on va accompagner ? On va faire ce système. C'est-à-dire qu'on tape, et selon le rythme, vous pouvez laisser sonner. Alors, ça c'est le système pour accompagner. On va avoir deux séquences, je vous l'ai dit. La première séquence, ça va être le Mi avec le Fa. Ça c'est la première séquence. Ensuite, quand il va faire, on va avoir la deuxième séquence qui va attaquer sur le La mineur, où là on va faire le même système d'accompagnement, mais avec la descente La mineur, Sol, Fa, Mi. Hein?
Voilà les deux séquences qu'on va avoir pour l'accompagnement. Ensuite, bah, vous suivez les accords, hein, tout simplement. On va maintenant passer au morceau lui-même avec les phrases qui vont s'enchaîner et les explications. Et les accords qui s'afficheront en même temps. Alors, on y va donc pour ce titre. Alors, la première chose, alors Dygdal jouait sur une strat, hein, un peu comme celle-ci. Plutôt en son clair, avec quand même un peu de compression et la reverb. Alors, la première chose, comme je vous l'ai dit, c'est que ça va très vite. Voilà la vitesse du disque. C'est 174 à la noire. Donc la première chose qu'on va faire, en fait, puisque tout le morceau, vous allez jouer en trémolo. Donc il faut vous entraîner à faire ce trémolo à 174 à la noire, à la fois sur les basses et à la fois sur les aigus.